C'est-à-dire que contrairement à ce qu'on peut faire dans la vie de tous les jours, on ne représente pas des personnes en train de boire ou de manger devant un écran. Et ce, dans un objectif en fait de promouvoir des comportements qui vont dans un bon sens afin de lutter contre les problématiques actuelles de surpoids qu'on peut retrouver chez les enfants, mais plus globalement dans la population en général. Même si des enfants sont en train de s'amuser, ils utilisent un jet d'eau. Maintenant, c'est plus possible parce que ça fait référence à un gaspillage de ressources naturelles. Là, la nudité, elle est là pour un certain comique. On ne voit rien du tout. La chute dans la publicité, finalement, lui, ce qui le gêne, c'est qu'on voit avec ses lunettes, en fait. Donc là, c'est une des exceptions. Le rôle de l'ARP et sa mission, c'est d'assurer que des règles soient établies par la profession et que, bien sûr, on les accompagne pour les appliquer à leur projet de publicité. Il y a aussi une dimension de contrôle après diffusion, de la diffusion des messages, le tout étant dans un objectif de respecter ses statutaires, une publicité loyale, véridique et saine. Ce sont, l'année dernière, 46 000 messages qui ont ainsi été vus pour la publicité audiovisuelle et pour tous les autres supports.